Et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, chez moi, sur le littoral de la Côte Bleue, avec une super météo au rendez-vous. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les lampes TAC de chez Asso. Donc, voici un de leurs modèles, la Titan. Hop là, on va le mettre dans le bon sens. Voilà, donc la Titan qui est le premier modèle que je vais vous présenter lors de cette vidéo. Alors bien évidemment, on va effectuer pas mal de tests avec cette lampe, hein, notamment une marche de nuit. On va tester son étanchéité en allant l'immerger dans de l'eau, comme elle est prévue de pouvoir fonctionner. Voilà, on va essayer de la voir le plus en détail possible et de vous repartager tout ça au travers de cette vidéo. La lampe est donc livrée dans une boîte comme ceci, en carton, avec toutes les caractéristiques techniques qui sont apposées dessus. La notice d'utilisation de la lampe. Des joints de remplacement par rapport à son étanchéité, puisque oui, on va le voir, cette lampe peut être immergée dans l'eau. Donc la Asso Titan, que voici, également fournie avec son cordon de charge. On va d'abord commencer par regarder le système de chargement. Hop. Donc très simple, hein. Un accu comme celui-ci en 18650 avec la connectique ici de rechargement. On va voir également les joints toriques d'étanchéité ici. Un clip ceinture et le fonctionnement très simple grâce au bouton que nous avons derrière. Voilà, qui va nous permettre par simple impulsion et eh bien de varier les intensités. Un double clic pour activer le mode flash. Un autre double clic pour activer le mode stroboscope. Un simple clic pour revenir à la normale. Je reste appuyé, j'éteins la lampe. Donc très très simple d'utilisation. Ici, le mode SOS. Un simple clic, on revient à la normale. Vraiment très intuitive. De très bonne facture. Alors, concernant la lampe, nous sommes sur des alliages en aluminium de qualité aérodynamique. Donc, on est sur de la qualité militaire type 3. Donc, pour la durabilité, la résistance à la corrosion et tout ça. Vraiment, vraiment pas mal. Cette lampe, elle est équipée donc d'une LED Luminus SST40 qui est donnée pour une durée de vie de 50 000 heures. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On a une alimentation donc par batterie en accu 18650 par rechargement par une connectique USB. Elle est IPX8, donc waterproof. On va le voir tout à l'heure ensemble. Nous irons également bien évidemment faire des essais de nuit pour voir un petit peu sa capacité qui est donnée jusqu'à une puissance maximum pour la Titan de 1600 lumens. Donc c'est très correct avec un champ plutôt large, une LED. Donc on ira voir sur le terrain ce que ça donne. Pour ce qui est de l'autonomie de la lampe, elle est donnée pour la puissance maximum de 1600 lumens pour une durée de 2 heures. Et sur la puissance la plus faible, elle est donnée pour 150 heures. Voilà, donc il doit y avoir largement de quoi faire. Et puis, bien évidemment, hein, ce qui est pratique, c'est que avoir avec soi, lors de ses sorties, une power bank comme ceci, qui va me permettre de recharger mes appareils, que ce soit mon téléphone ou mes lampes. On est parti pour les essais de nuit avec cette lampe Asso Titan. Ça éclaire très bien, hein, aucun souci. C'est assez puissant pour pouvoir faire une bonne marche de nuit sans aucun problème.
Allez, donc c'est parti, on va faire le test de l'immersion de la lampe. Aucun souci. Bon, et bien voilà les amis, pour vous faire une conclusion rapide sur cette lampe de chez Asso, la Titon, et bien elle répond tout à fait aux attentes. Et au niveau du tarif proposé, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter leur site, que bien évidemment je vous mettrai en lien dans la description. Bon, et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura pu vous être utile, notamment pour le choix éventuel d'une de vos lampes torches. À suivre très rapidement une deuxième partie où c'est que je vous présenterai le deuxième modèle, la Titon Compagnon, qui est tout aussi très sympa et très intéressante à découvrir. En attendant, et bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao!